les gens. Et ouais, Tim. Nouveau jour, nouveau vlog. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un jour de merde. On va pas se le cacher. Un vrai jour de merde que je redoute depuis plus de... Depuis 3 ans. Aujourd'hui, on doit déménager notre appartement parisien. Il est pas grand, hein, il est petit, mais alors qu'est-ce qu'il y en a des choses là-dedans. Trois ans, genre d'accumulation totale, quoi. On a entassé. C'est terrible, on sait pas par où commencer. On a des cartons derrière qui nous attendent. Et on sait pas comment on va faire. Si vous avez des tips d'ailleurs de déménagement, faudrait peut-être qu'on regarde la série de vidéos de Marie Kondo. On vient de me le suggérer. Mais sur Netflix, j'ai vu, ça fait une semaine que je vois ça, je me dis, faut qu'on regarde. Mais si on démarre la série maintenant, je crois que le déménagement. On va jamais le faire. Bon, et sinon, c'est le moment de dire au revoir à ce salon que vous avez tous vu. Je pense que c'est un des salons les plus célèbres de France. Grâce au live qu'on a fait tous les soirs pendant des mois et des mois. C'est vrai qu'il s'en est passé des choses. Un petit moment sentimental, petite émotion. Il s'en est passé des choses dans ces quelques mètres cubes. C'était c'était incroyable. Et puis bon, on s'était juré qu'on reconfinerait jamais dans un tout petit appartement. Malheureusement, j'ai l'impression que ça nous pend au nez et on n'aura toujours pas déménagé. Bon, on verra bien, on croise les doigts que non. Et puis on dit au revoir. Présenter l'antre de Sissi. C'est mon quartier, c'est la pièce qui fait office de tout. Je me maquille, je m'habille, je travaille, je fais la fuite fortune aussi. Je construis des... je fais des prototypes aussi, TSE. Voilà, il y a de tout, quoi. Et donc derrière, là-bas, là, à la base, on a mis un paravent, vous savez, pour cacher les choses qu'on voulait pas voir. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Tout a atterri devant. Comment on va faire les gens, sérieux? Comment tu veux ranger ça? Genre, je suis désemparée. Je vous jure, genre, j'ai envie de dire à des déménageurs, venez, prenez cette pièce. Prenez-la telle qu'elle et embarquez-la. Il n'y a rien à faire là, qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça? Oh les filles de genre, 40 ans après, 50 cartons plus tard et 20 sacs poubelles terminés. On y est arrivé. Franchement, c'était 48 heures compliquées. Hein. Ouais, on a passé 3 jours même, hein. C'est le troisième jour, 2 jours complets à faire tous les cartons, enfin on va dire les 80% des cartons. Yes. Aujourd'hui, on a terminé tout ce qui était matelas embarqués, gros meubles, trucs comme ça. On a tout collé dans le camion. Bon, pas trop nostalgique de laisser cet appartement? Alors, c'est marrant parce que moi, j'avais genre trop hâte de le quitter. La grotte, on peut plus la voir en peinture. Le confinement nous a écœuré de cet appartement. Même hier soir. Ah ouais. Non. C'est assez qu'il faut qu'on s'en aille. C'est clair. Ça, c'était pas prévu dans la vidéo. Par le tableau. Bon, en tout cas, même hier soir, on s'est dit, on a hâte de se barrer. Ah ouais. Ça fait quand même un petit pincement. Mais ça fait quand même quelque chose, parce que c'est vrai qu'on est passé 3 ans. On a fait tous les lives. Tout le confinement ici. Tout le confinement, voilà, il y a eu des grands moments quand même dans cet appartement. Ouais. Et c'est notre premier appartement à deux, donc c'est vrai, une petite page qui se tourne quand même. Une grosse page qui se tourne. Ouais, pour les petits gens, je pense que c'est un des salons et des canapés les plus connus d'Instagram. En France, clairement. Bon, et on vous dit à demain, souhaitez-nous bonne chance parce qu'il y a de la route à faire et on se retrouve sur la Côte d'Azur. Hello les petits gens. Coucou. Salut Si. Ça va? Oui, on se retrouve dans le sud cette fois-ci, le déménagement s'est bien passé et on a retrouvé qui? Notre archi préféré pour continuer les décos. Lucie. Aujourd'hui, on va continuer sur la décoration de l'intérieur de la maison. On a pas mal de choses à voir. Comme la maison est un peu moderne, un peu quand même dans l'esprit un peu froid, gris,
On amène en fait avec le mobilier, la décoration, un peu de chaleur, avec aussi un peu de peps, avec des couleurs. Les anciens propriétaires aimaient le glacial. Voilà, on change tout aux grandes dames de Tilly derrière la caméra qui est au bout du rouleau, il en peut plus. Donc, il a envie d'y habiter. Je vous explique les fusions. On a acheté une maison récente pour ne pas avoir à faire de travaux. Écoutez, il dit ça à qui veut l'entendre. Et résultat des courses, on se retrouve à tout refaire. Voilà, donc ça c'est le mais plan. Mais Sissi appelle ça du home staging. Hein, oui, alors Lucie n'est pas tout à fait d'accord. On n'est pas sur du home staging. Désolée. C'est pour faire passer la pub, la Tilly discrète. On est sur de l'archi. Pas de grandes surprises dans le salon, puisqu'on avait quand même vu pas mal de choses ensemble. Ouais. Canapé, table basse, les coussins, tapis, le petit siège. Ouais. Ce qu'il y a de nouveau. Ça c'est West Wing, ça. Ouais. Plus, après tu verras, entre cette planche, il y a des trucs qui... C'est entre salon, salle à manger, entrée, et couloir et partie cheminée. Donc il y a un miroir dans le salon là ? Alors ça, ce sera pas forcément dans le salon, peut-être dans l'entrée ou quoi, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de miroir du tout. Et c'est vrai qu'avant de partir ou quoi, t'as bien tout voir de plein pied. Pas forcément juste le visage. Au salle à manger. Donc le même en rose. Ouais, c'est le même style mais avec des touches de rose. Comme ça, on fait une partie un peu plus colorée niveau salle à manger. Ouais. Après, bon, j'ai mis de la déco parce que le grand buffet, il va falloir l'habiller. Ouais, moi ça me plaît. La table, voilà, pour moi c'est. Un peu une table carrée, un peu originale. Et c'est chaud. Les meubles, il faut des tables. Hein. Et c'est ça comme tu veux. Au pire, tu fais faire ta table, voilà, sur mesure. Entrée couloir. Alors, dans l'idée, ici c'est entrée. Ouais. Et là c'est pas de couloir, c'est cheminée. Oui, le coin cheminée là. Ah, le banc où on va prendre le café le matin. Il est beau ce banc. Ce banc est vraiment très beau, je trouve. Ah, il me plaît vraiment beaucoup. Dans l'ensemble, ça te plaît ? T'as des options ? Alors, on mettrait ça sous la verrière avec potentiellement ça dessus. Enfin, pas sous. Du coup, on va décaler. Décaler quand même. Parce que sinon, ça va arriver devant ta verrière, ça va être bizarre. Après, avoir sur place à décaler, mais il y a la place de la mettre à côté au cas où. Ah, la chambre ! La chambre. Alors là, on est content. Alors ça, c'est toi qui me l'as offert pour Noël, Tini. Je précise parce qu'il est très content quand je le dis. Donc, je répète. On aime bien cette tête de lit, hein, décidément. Qu'est-ce que c'est ça ? Mais ça, c'est ma future Coiffeuse, trop bien. Coiffeuse. Ben, en fait, c'est le granit, enfin, façon granit qu'on avait vu, en gros, mais en black avec des paillettes, quoi. Ouais, trop beau. C'est stylé, ça. Ouais, ça, c'est vraiment beau. Hein. Le studio. Pièce principale. Tournage, quoi. Oui, pièce principale, mais mobilier principal. Grosse pièce de la pièce. Ouais. Canapé. Le canapé, ouais. J'ai pris couleur, mais couleur pas trop, comme je disais, pas trop criarde, de sorte que ça s'accorde avec tes tenues et les thèmes des vidéos. J'adore le vert comme ça en plus. Genre, j'adore cette couleur. Ouais. Et après, je me suis un peu en fait inspirée de ce que tu m'avais envoyé. Il y a des touches un peu de doré, de noir c'est et rose un peu. Ouais, c'est doux, c'est harmonieux et en même temps ça ressort un peu, c'est pas genre tout blanc où il se passe rien. Ouais. Bon ben voilà, on a validé l'ensemble des éléments avec Lucie. Ça y est. Ça a été plutôt rapide, on était en phase donc. Oui, c'est vrai en fait. Je suis pas trop chiante en vrai. Non, pas du tout. Bon, après, on a les mêmes goûts donc ça va. Ça va, on est en phase. C'est ça. Exactement. Là, il nous reste un bon petit morceau encore parce qu'on va valider la cuisine. Donc, dernier rendez-vous, on vous embarque pas parce que vous avez déjà tout vu la semaine dernière. On va juste pour donner notre go. Et puis, on te retrouve, Lucie, certainement semaine prochaine. On se quitte plus. Hein. Mais ça y est, voilà, attendez-moi, je suis toujours avec vous. C'est ça, tous les jours. À bientôt. Ciao, ciao. Salut les filles et garçons. Aujourd'hui, on retrouve Lucie Nationale. Tadam. Pauline Nationale. On se retrouve pour shooter la collection Très Sweet It, puisque depuis hier samedi, on a fait un réassort. Les filles, vous n'avez pas été corporelles aujourd'hui, hein? Et non. Vous avez reçu les vôtres? Et bien non, encore. Sinon on les aurait mis. Franchement, on est mauvais. Et on va shooter aujourd'hui de nouveaux articles qui vont rejoindre très prochainement la boutique. D'aller découvrir un peu les coulisses et puis les produits concernés. Voilà. Moi, de toute façon, je l'ai dit, un jour, je vais venir me raser la tête. C'est clair. Là, vous avez des questions de temps. J'aimerais trop que ça m'aille. Il y a des meufs à qui ça va trop bien, les cheveux courts. J'aimerais en faire partie.
t-shirt. C'était trop cool. Yes, et en plus cette fois-ci, on a moins galéré sur ça et on commence à être habitué. Voilà, franchement, c'était au top. Ouais. Ouais. Les t-shirts, ils sont magnifiques. Moi, je sens que Lucie en veut. Bien sûr, j'en aurai à la prochaine fois. Évidemment, t'en auras. Bon, ben les filles, gens, on vous retrouve sur shop.trainsweatit.com pour choper votre t-shirt, votre suite. Et puis, ben, on vous dit à plus tard. Wouh. Wow. Quel week-end, les filles, gens. Quel week-end, oh là ça, là. C'est fait, comme on dit. Ça a été sport, le lancement de notre collection Trainsweatit number 2 est fait. Bon, bah, les filles, gens. Que d'émotion, hein. Vous avez tout cassé, comme d'habitude. Franchement, là, mais... on peut tout prévoir. On peut, ça fait genre c'est... un mois non, mais c'est insupportable. Qu'on prépare ça aux petits oignons, voilà, le site il ouvre et vous êtes un raz-de-marée. En 10 secondes. En 10 secondes, bon, on a réussi à rétablir la situation, ouais. Donc ça c'est cool, tout est passé. Non, et... quand on vous dit vous avez tout cassé, vous avez cassé genre au sens propre et figuré, c'est genre ah ouais, vraiment. Non, franchement, non. Pour vous dire franchement, c'est un peu pénible de se dire qu'à chaque fois on prévoit tout et à chaque fois ça tombe. Ouais. Et en plus, bon, bah, c'est pas nous qui sommes derrière, hein. Vous savez, un site, il y a l'hébergement, etc. Et t'as beau répéter que vous êtes des dizaines de milliers à chaque fois. Je crois que les gens. Ça ne marche jamais. Tout le monde sous-estime la team TSE. C'est-à-dire ils qu'à nous chaque... prennent vraiment en fait. Genre, je sais pas moi pour qui, mais. À chaque fois, on s'attendait pas autant de trafic. Ben. Mais arrête pas de vous dire que la team TSE, c'est des gens c'est engagés qui sont malades. Là au rendez-vous. Et à chaque fois, on nous dit si on s'attendait pas. On arrête pas de vous le dire que la team TSE, c'est des gens, c'est des ouf, et que vous êtes là tout le temps, donc on est trop contents. Voilà, on vous remercie parce que vraiment, ben, ça nous touche, ça nous fait chaud au cœur, pour de bon. Vous êtes là à vraiment nous soutenir du fond de votre cœur, vous nous dites, voilà, ben, on commande rien que pour vous soutenir et tout, donc c'est vraiment super bon, cool. Et les suites sont cool quand même aussi. Évidemment, les suites sont trop cool, donc on a trop hâte de vous voir ben, avec, aux couleurs de la team TSE. Et puis là, ben, on porte du coup les vêtements qu'on a shootés récemment, vous venez de le voir dans le vlog, yes. Qui vont également arriver très bientôt sur le shop, donc il va y avoir plein de nouveautés, ça c'est trop cool. Et puis ben voilà quoi, donc 2021 il y aura pas mal de nouveautés, ouais. Parce que le but c'est évidemment bah, de pas faire que des suites, de pas faire que des suites parce qu'on adore les suites, mais vous bon êtes, vous êtes trop content de faire partie de la team TSE, donc on va essayer d'étoffer un peu tout ça et de vous proposer des trucs super cool, donc grave. Restez connectés, ça va être stylé. Bon ben les filles de gens, on va clôturer là-dessus ce vlog, on se retrouve semaine prochaine. On vous souhaite un bon pour dimanche. La suite. Bon dimanche. À bientôt. À bientôt.